La trompe de chasse va naître à peu près à cette période-là. Dans les années 1723, on a le marquis de Dampierre, Marc-Antoine de Dampierre, le capitaine des chasses du roi Louis XV, qui est un passionné de vénerie, qui va avoir l'idée d'utiliser le corps, mais tel qu'on l'utilisait en fait dans les fêtes de plein air. On pense à Danican Philidor, à tous ces grands musiciens qui utilisaient déjà un instrument, un corps, pour l'orchestre. Et on a décidé, grâce à M. de Dampierre, d'adapter cet instrument finalement pour la chasse elle-même. Alors Marc-Antoine de Dampierre, il a créé en fait 27 fanfares, dites fanfares de circonstance. Et à l'époque, évidemment, les trompes ne ressemblaient pas tout à fait à celles que j'emploie aujourd'hui, qui est une trompe à la d'Orléans. Mais c'était des trompes qui étaient enroulées à un tour et demi, et elles faisaient plus d'un mètre de diamètre. Vous en avez un très très bel exemple ici dans la salle du XVIIIe siècle. Ces trompes étaient tenues à bout de bras, elles avaient une tubulure extrêmement fine, et elles ne devaient pas être très commodes. Et en fait, évidemment, tous les équipages maintenant utilisent ces fameuses trompes dites à la d'Orléans. Ça, c'est un modèle, vous voyez, je vous ai apporté une jolie trompe, parce que c'est un modèle qui est de 1870, à une époque où on faisait encore, quand même, on imagine peu ces trompes qui étaient orfévrées être utilisées à la chasse, parce que on risquait de les plier, tout simplement. Et il y a eu un facteur qui s'appelait Garnier, qui a réalisé, en fait, des moules qui sont en bois sculpté, et qui permettaient de travailler au marteau, de marteler la feuille de cuivre directement sur le motif. Alors vous avez une chasse de cerf, une chasse de loup et une chasse de sanglier qui sont un motif assez traditionnel parce qu'il n'a fait qu'un seul modèle. Ça n'apporte rien quant à la qualité sonore de l'instrument. Au contraire, on peut dire que ça va même avoir tendance à réduire la vibration, puisque le principe, c'est d'avoir un instrument de musique qui est l'embouchure, parce que tout se fait dans ce petit entonnoir. Le reste, c'est un amplificateur, tout simplement. Et ça permet d'avoir une portée quand même assez grande. On peut, à quelques kilomètres, envoyer quand même un message de façon précise à la chasse. À la chasse, on utilise quand même des trompes, on ne va pas utiliser celle-là, on va utiliser des trompes beaucoup plus rustiques, ce qu'on appelle des trompes lourdes. Il y a plusieurs catégories. Vous avez des trompes lourdes qui font en général 900 à 1,2 kg. Vous avez les trompes très légères ou semi-légères qui permettent de sonner d'une façon plus agréable, mais qui sont quand même encore capables de résister au choc en forêt. Et puis vous avez des trompes ultra-légères. Il y a notamment un facteur actuellement qui s'appelle Cornelius, qui réalise des trompes qui sont intéressantes parce que dans la tubulure de la trompe, vous voyez, ce serait un emboutissage de tubes. Et en fait, on emboutit un tube d'un diamètre légèrement supérieur dans un tube d'un diamètre légèrement plus petit. C'est la logique. Dans le bon sens, c'est un petit peu comme les tuyaux d'écoulement de vos canalisations, parce que sinon, ça ne marchera pas bien. Le problème de cette affaire, c'est qu'effectivement, il y a une rupture à l'intérieur du tube, ce qui fait que chez Cornelius, on a une idée géniale. On a réalisé des tubes, et ils font quand même une mortaise extrêmement petite, pour arriver à emboîter exactement les deux tubes, de façon à ce qu'à l'intérieur, la lumière du tuyau soit parfaitement égale, qu'il n'y ait pas d'accrochage possible pour l'air. Donc le fait est que quand on voit la qualité de ces trompes, au niveau de la sonorité, c'est tout à fait remarquable. Ça sonne certainement mieux qu'une trompe comme celle-ci. Ça, c'est incontestable.